Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue une autre fois encore sur Chanel Curin, mais en pilant, si Covid a fait quelques points. Si on y m'assurerait le plaisir pour nous capables de rejoindre sur plateforme ça, avec même chaleur, même enthousiasme, même l'amour, même émotion, et nous contents de rejoindre nous, franchement, et nous contents de rejoindre nous. Nous connaissons depuis quelques années et Haïti lui-même bien bouleversé. Mais cette fois-ci, nous portons une vidéo pour vous, nous portons son, nous portons image et nous pensons que vous apprendrez mes vidéos. Dans la vidéo, ça, nous pourrons parler un peu des arrêtés présidentiels que le président Jovenel Moïse lui-même lui prend contre trois juges. Juge d'Abréville, juge Mécène et puis Madame Coque. Nous connaissons que dans le jour qui passe, en pile palais, en pile tollé, côté que et le gouvernement, pour ne pas dire administration, en fait qu'on est, il subit de yon attentat de coup d'état. Alors, pour ne pas dire intention de coup d'état. Et la justice déjà marée en pile. Bref, nous pourrons parler tout de bagaille ça yo. Nous pourrons faire vivre tout interview que le président Jovenel Moïse lui-même lui fait immédiatement après les films pour arrêter. Hein. Et ceci par rapport à Jean, tout le monde a popiné partout, non seulement en Haïti, dans tous les médias, mais à l'étranger tout. Et nous voulons prendre un petit temps ça pour nous capables d'inviter ou même capables d'abonner sur la plateforme. Non, pour devoir cliquer. Non, j'aime avant finalement ou cliquer dans abonner après ou activer petite cloche là. Ça a aidé ou gagner accès à toute vidéo. Merci vous même qui déjà fait partie de grande famille. Non, nous pas gagner en pile, nous pourrons le dire, continuer à partager parce que nous voulons arriver à 100 000 abonnés et là nous déjà à 47 000. Félicitations, quelques mois 47 000. Ça veut dire d'ici 3-4 mois encore nous capacités à 100 000. Nous pouvons mieux que. Nous allons entrer dans le détail. Normalement, nous avons connu Covid, j'aime dire la vie mentale. Et les la vie, c'est un paquet de vie. Il faut que nous soyons capables d'utiliser tout ça qui baille la vie à sens. Mais je dis, nous allons faire un exercice de droit. Je pense que qui a aidé nous comprendre plus de choses. Nous avons un groupe pour l'opposition, quel que soit les choses qui fait les. En dans la loi, yo ka prendre yo mettre hors la loi parce que yo gen avocat qui chef de file yo. Il faut nous ka comprendre ça. Et nous pas avocat mais nous pas sot. Nous pourrons faire un exercice de droit. Nous pourrons code constitution. Bon prendre la même là. Nous pourrons et analyser quelques et ça nous ta rele article dans la constitution. Pour nous, est-ce que arrêté présidentiel là, s'il chita de la loi, qui mandat président Jovenel Gagné pour faire ça? Est-ce que c'est libre de faire ça? Mais avant tout, il faut nous dire nous tout, il y a un juge dans le cours de cassation, c'est qui ça lui représente. Nous connaissons trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Bon. Mais vous avez fait qu'on est tous médias son quatrième pouvoir. Vous avez un problème. Même là, il n'est pas mentionné. Et arrêté en sortie, il y a trois juges. Il met trois juges en retraite. Immédiatement. Nous pouvons puiser quelques articles avant. Pour nous parlons dans la section. La section juridique là pour nous parler. Nous allons baser la question loi parce que constitution c'est ça nous a relé c'est maman loi pays ça veut dire au-delà de la loi. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ça veut dire une constitution les placer plus haut que un code pénal. Nous d'accord, un code civil tout parce que constitution tout ça on a bien code pénal code civil il doit puiser en deux constitution qui c'est maman loi pays. Bon et exercice pour commencer. Est-ce que ils ont arrêté qu'à mettre une série de juges en vacances ou bien en retraite?
Femme dit nous que il y a un pile monde qui pensait que yon juge c'est un dieu. M'a dit nous ça je dis à juge pas dieu. Mais juge yo yo pas gagné. Juge yo il pas même gens avec yon employé quelconque ou yon citoyen quelconque. Juge c'est celui là ou pas joie avec. Mais juge là tout faut que ou rete en dans sa ou yon pas souti. Nous pral wè ki ça la loi dit concernant juge yo ki ça juge yo même yo yé. N'a pas ces pages parce que m'te gen ta marqué yo, m'te gen ta cassé page yo. Voilà. Nous arrivons sous premier article. Dans section et question juridique droit, nous arrivons sous premier article côté que nous la constitution a parlé de pouvoir judiciaire là que nous connaissons dans trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire là et c'est de li là et dans section ça que nous y. Nous arrivons dans article 177. Qui c'est article 177 là dit? Article 177 là, il fait nous connaître juge qui ça yo. Il dit, m'appelle pour nous en français parce que nous connaissons, c'est en français, les juges de la cour de cassation, ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ça veut dire, juge ça yo ou pas capable jeter au conseil. Ils ne peuvent être destitués, et c'est ça même, que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendue qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle sous leur consentement, même en cas de promotion. Ils ne peuvent être mis à fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée. Juge cour de cassation yo c'est yo fait partie un pouvoir qui est indépendant ou pas qu'à décider et prend yo comme ça pour jeter yo inamovible ça veut dire ou pas qu'à jeter yo, et ou pas qu'à destituer bon c'est ça la loi dit maintenant il dit mais comment qu'à destituer un juge c'est là il est inculpé dans un bagaille c'est là tout et il y a un problème capacité mental, ça veut dire il n'est pas capable. Là, ou qu'à destituer, ou qu'à remplacer, retirer. Bon, on va continuer à passer, ça me démarque la première page là. Nous allons partir dans l'autre article qui est très important. Pour qui ça me commence dans 177 là avant, c'est parce que et c'est lui qui parlait de jugio comme si que yo inamovible. Ça a démontré que action qui commet là, nous parlons, est-ce que li bon ou bien li pas bon. Voilà. Nous arrivons dans la deuxième phase qu'on y a là. Nous parlons partie. Et ceci, c'est très important. Nous parlons dans la partie côté que nous parlons lire quelques articles. C'est la constitution, nous y est toujours. Nous la constitution, nous parlons lire quelques articles. Ok, c'est Covid. Nous partons là. Nous parlons lire article 1 qui dit. Bon, est-ce que besoin li pour article 1. OK, article 1 dit comme ça, le pouvoir judiciaire indépendant des pouvoirs exécutifs. Bon, dès que tu as dit ça déjà, m'a besoin li article 1, m'a li article 5 là. Plutôt article 5 là qui très 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 important. Article 5 là dit comme ça. Toute action ou manifestation politique de nature partisane est interdite aux juges et aux officiers du ministère public. Article 1, il parlait de la cour des pouvoirs et judiciaire là, qui est indépendante du pouvoir exécutif et législatif. Il parlait de juge. Et puis l'article 5, il dit que yon juge pas qu'à mêler ni dans politique ni dans toute action question pour gen partisan parce que jijio yo pas doué gagner sacrilé et parti politique jijio doué et santarelé impartial ça veut dire yo là comme arbitre nous est tout ça m'a cité bon nous là avant pour m'entrer en dans détail question juge que yo mettez et en retraite yo. Ça c'est pour ça est la loi constitution pays a dit concernant le pouvoir judiciaire.
Ça veut dire, il est clair que même les juges là, les inamovibles, ils disent, mais comment on est capable de barrer ou capable de destituer, ni pour capable de retirer, c'est là que les inculpés, ou bien les entrer dans une ambiance politique. Mais l'article 2 il dit, yo interdit la question ni politique ni action qui gagne question manifestation comme si pour ta entrer koyo dans question politique ça veut dire juge pas dans affaire politique. Nous va aller dans un troisième article dans département hein, pour nous voir que qui ça la loi dit est-ce que nèg yo bien pour retraite là ou non. Voilà. Qui ça li dit? Là, nous arrivons dans l'article 51. Article 51, mais ça le dit. Article 51 dit comme ça. La limite d'âge est fixée à 65 ans pour qu'un juge voit son nom porté sur une liste pour fin de nomination. Les juges sont maintenus en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à l'âge de 55 ans, révolu, après avoir fourni 25 ans ou 25 années de service. La limite d'âge est fixée à 65 ans et pour les officiers du ministère public. Limite l'âge est qui pour un fonctionnaire public, la question droit judiciaire, c'est 65. Ça veut dire, à 55 ans, juge la commande de retraite, mais à 65 ans, obligé pour une retraite. Bon, c'est... ok. On allez, vous mettez la grand monde. Kounia Noué, président Jovenel, qui prend un arrêté, qui mettait juge en retraite. Est-ce que c'est une décision qui hors la loi ou une décision qui est dans la loi? D'après tout ça, nous lire là, au cas quitter commentaire, c'est une décision qui est dans la loi. Ça veut dire, juge Mécène lui-même, qui proclame le président, qui est dans le discours, nous sommes son vétéran, il a 72 ans. Retraite, ça bien fait le bien. Ça veut dire, juge Mécène bien content, il n'y a pas de retraite. Dans un pays comme Haïti, il est difficile pour le monde de retraite. Et là, qu'on y a là au bon retraite, le président là, il doit, il y a tout ça, qui répondent, qui correspondent avec la retraite. Nous avons un juge encore d'Abreville, qui était jeune sur les lieux. Qui ça l'a fait côté lié? Bon, monsieur lui-même, nous pas qu'on l'âge lui, même penser que, et que faut que lui-même, il était à 55 ou bien il dépassé jusqu'à 55, nous pensez ça. Madame Koch, nous pensez que, bon, je dis que il a 58 ans, ça veut dire, et, Négio dans l'âge pour t'apprendre une retraite. Mais pour qui ça, président Jovenel Moïse, c'est dans le moment ça, il profite de Négio retraite. Est-ce que c'est parce que il suspecte que Négio position yo, t'es ciblé Madame Koch, et Négio position yo, parce que petite de ça, c'est Madame Koch, Négio position André Michel yo, c'est juge Mécène, pardon, monsieur Lavalassio, c'est juge d'Abreville. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est son ambiance comme ça. Président Jovenel lui-même, il passait en l'air, il retraite. Retraite sa chita, si monsieur, il est en dans la constitution. La constitution dit l'âge négio, il faut prendre retraite, son principe lié. Eh bien, le président sorti sous belle occasion, ça, il va négio retraite. Maintenant, concernant un juge, nous dédions un juge par un Dieu. Dès pour faire erreur, ou perdu tout ça que vous gagnez. Moi, ça qui fait mal, c'est parce que, et monsieur Mécène, il y en a qui font post sur Facebook, il dit que, alors c'est un ami à moi, on ne peut pas nommer non, il dit nous penser qu'il y a un monde qui est mieux placé pour diriger Haïti que juge Mécène. Moi, pas dit, il n'y a pas qu'à diriger non, mon frère, ami frère. Mais il prend mal. Il y a un juge qui gagne, puis ancien juge, gagne, puis ancien juge qui gagne dans la cour de cassation en Haïti. Puis ancien, parce qu'il est âgé de 72 ans. Ça veut dire, il y a une légèreté dans le bagage. La grand monde, les grands, ils viennent prendre, ils arrivent, ils chauffent tête, ils font la tomber dans une démagogie. Il y en a qui juge, monsieur. C'est pour n'importe quel, non. Dans l'école de magistrature en Haïti, on ne juge pas, on ne sait pas faire, non.
Et c'est ça qu'il faut voir, ils sont indépendants. Mais, nous sommes capables de rendre compte, il y a un paquet de démarches qui t'a fait dans la question KIP, nous, opposition prend la rue, dit KIP a lui-même li illégal, parce qu'il n'est pas prêté serment devant le Parlement, il n'est pas prêté serment dans la Cour de cassation, parce que n'a été bol goûté bagala. Bon, puisque c'est comme ça, ça y est, eh bien, mes chers amis, en Haïti, là, nous capables un paquet de monde fait tolé, dit, et Jovenel, yo discrimine le président, il va carrer ça en Dieu. Nous même ne juge pas en Dieu, parce que juge, yo fait fly. Ok, yo fait fly. Juge d'Abreville, côté le terrain, sur les lieux, il n'a pas de droit là. Ok? Juge Messien encore en tant qu'un vétéran qui bien travaille, qui a une belle carrière dans la question justice en Haïti et puis pour M. Rivela Podiab, il a fait le prêter serment comme président, il a passé et bon, ça grave, mais ça me remet dans la bagarre là et la justice l'y appliquer et ça fait de la loi est une pour tous. Même Jean, la loi prévoit, dit, mais comment on est capable de faire juge là, ou qu'à retirer, ou qu'à cacher, si ou qu'à cacher là, l'elle impliquer dans la politique, l'elle fait tel ou bagaille. Oui, ou capable, parce que, juge aussi arbitre que vous voyez, y'a pas un droit, gain parti politique. Nous comprenons ça? Ok. Ça veut dire, nous pas tourner sous ça. Ou qu'à dire ça, ou voulez. D'ailleurs, c'est l'opinion d'abord.